Charlie et Lulu ont besoin d'une nouvelle maison et on va leur faire un terrarium naturel ensemble. Pour ça, on va commencer par mettre de la terre et on va utiliser un substrat de coco. Alors celui-là, je l'ai eu pour pas cher du tout à Action. Ça se présente sous cette forme de briquette et il suffit de le mettre dans de l'eau pour le réhydrater et qu'il se transforme en une espèce de terre que l'on va étaler bien au fond du terrarium. Ensuite, la partie fun. Je sais que les escargots ne mangent pas d'herbe et j'avais envie d'un terrarium au maximum naturel. Alors je me suis dit qu'on allait faire un test. Et pour ça, j'ai pris des graines d'herbe et des graines de fleurs mellifères chez Action. Surtout, il n'y a rien de plus facile, il suffit juste de semer tout ça dans le fond, sur le substrat. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'avais pas fait les choses dans l'ordre, parce que j'ai pas mis la décoration, comme la petite cachette ou la mangeoire. Du coup, je les ai mis, j'ai réarrangé la terre et j'ai ressemé un petit peu parce que j'aimerais que les plantes tombent et poussent sur la décoration directement. Bon, en tout cas, voilà, c'est fini. Je vous tiendrai au courant de comment ça pousse. Rendez-vous dans quelques jours. Du coup, abonne-toi pour rien louper et va voir mon Tipeee ou ma boutique pour me soutenir.